Salut, bonjour à tous, je m'appelle Fifi, je travaille pour le Fab Lab Que, et en fait on a décidé en équipe de vous proposer des ateliers que vous pouvez réaliser à la maison. On appelle ça le Fab Lab Que at Home. Alors, vous allez me dire pourquoi à la maison? Ben parce que tout le monde est un peu obligé de rester à la maison. Alors on a cherché des activités faciles avec du matériel que vous avez à la maison et on va vous les proposer régulièrement sur cette nouvelle chaîne. Alors, la première activité, c'est un tour de magie que Gérard, qui est bénévole chez nous, que vous connaissez bien, a trouvé. Regardons plutôt le tuto. Alors, c'est un tour de magie où il faut 3 pièces de monnaie et une petite boîte que vous allez fabriquer, ainsi que 3 crayons. On regarde d'abord le tour et essayez de comprendre l'astuce. Voilà. On va mettre les 3 pièces de monnaie dans la petite boîte. Alors les magiciens, ils aiment bien toujours faire un petit peu de mise en scène, ça participe au truc. Regardez, on montre la feuille, voilà, les deux côtés c'est bien. Ok, on va... Voilà, les pièces sont toujours là, oui. Voilà. On referme la petite boîte. Et on va pouvoir mettre les crayons. Et incroyable, le crayon traverse la pièce de monnaie. Essayez de comprendre le truc. Vous le verrez à la fin de la vidéo, bien entendu. Parce que vous allez fabriquer vous-même ce truc. Vous allez pouvoir le fabriquer vous-même. Voilà. Alors, Gérard nous a fabriqué des petites fiches que vous allez pouvoir imprimer ou reproduire à la maison pour faire facilement ce tuto. Tout se trouve sur fablabque.be. Mais regardons plutôt. Le tour. Elle enlève les crayons. Hop. Voilà. Et attention, le troisième crayon. Et magie, évidemment, toujours, ça c'est les magiciens. Et voilà, les pièces sont toujours là. Est-ce que vous avez compris comment on faisait? Eh bien, vous allez peut-être le découvrir en regardant la vidéo complète qu'on va vous mettre en lien également. Alors, n'hésitez pas à nous contacter sur info@fablabque.be. Et évidemment, je voudrais aussi vous présenter quelqu'un d'autre qui va nous parler de l'activité que nous allons vous proposer la semaine prochaine. Je vais essayer de me connecter. Attention, on va voir. Attendez, hein, je change de chaîne. Ah, voilà. Allô? Oui? Ah, oui, oui, je vous entends. Oui, Fifi, oui, je vous entends, je suis en oui. Direct. Du donjon de Kirchstar, en oui. Effet. Oui. Je me présente, je suis Crow. Crow, gobelin gardien du donjon de Kirchstar. Oui, voilà. Oui. Donc je suis venu aujourd'hui pour vous annoncer que dès lundi, il y aura oui. De nouvelles épreuves sur la chaîne Fab Lab Que at Home. Nous avons prévu de la baston, des trésors, et des énigmes. Oui, wow, tout à fait. Génial. Pour cela, vos téléspectateurs devront découvrir le langage. Oui. Des serpents. Oh là 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 oui. Là là. Oui, le code Python, oui. Mais c'est wow. Moins magique de dire code Python que langage des serpents. Serpents. Oui, en effet. Donc, oui. Nous reviendrons lundi, oui. Moi et mes copains gobelins, pour oui. Vous présenter tout ça dans une autre vidéo. Voilà. Génial, super. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bon week-end et au revoir Fifi, au revoir. À bientôt. Au revoir à tous, à la prochaine.